Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Ruben qui va jouer l'ASM Clermont-Auvergne et nous on va jouer l'Union Bordeaux-Bègles. Alors lui j'ai vu qu'il avait l'effectif bien à jour, nous on l'a à moitié à jour, hein. On n'a pas tout, j'ai même pas Radradra par exemple, c'est un peu dommage. J'ai encore Ashley Cooper qui n'est plus là, mais bon on va essayer en tout cas de jouer correctement. Alors l'UBB, Clermont c'est la grosse équipe française avec le Stade Toulousain de ce début de saison. Et l'UBB c'est l'équipe quand même surprise, on les voyait peut-être pas aussi fort. Oh c'est bien fait, attention est-ce qu'il va pouvoir nous mettre la pression sur cette chandelle de suite. Oui il est dans les 22 mètres, où on récupère la balle. Et on est obligé de jouer au pied avec notre deuxième ligne, ma foi, pourquoi pas. Attention là on peut pas plaquer pour pas être hors jeu. Avey qui vient bien plaquer. Poirot qui gratte la balle. Alors Poirot je sais pas s'il va... Oh bon regrattage de balle de suite. Je pense que les internationaux ils vont être laissés au repos, donc ils vont pas jouer, hein. Des mecs comme Poirot on verra. T'as les boules là. Allez. Donc à voir. Après Bordeaux honnêtement c'est l'équipe qui est pas mal, qui est vraiment... ils sont dans les 6 premiers à l'heure actuelle. Alors est-ce que je les vois finir dans les 6 à l'heure actuelle? Non, je pense que ça sera compliqué. Allez, on essaie de repiquer à l'intérieur. On essaie de rafuter, mais c'est bien défendu par Clermont et Ruben. On lance Ashley Cooper. Ashley Cooper qui n'est plus là. Oh, qui a rafuté? Qui a rafuté? Est-ce que ça peut suffire pour aller à l'essai? Non. Ça défend bien côté Clermont. On met du monde dans le ruck. Et on va peut-être faire du pick and go maintenant qu'on est à quelques mètres de l'embut. Clermont 3 à 10 mètres de l'embut. Même sens, on envoie les gros noms, serein, qui est pou, la longue sautée, le bourri, c'est laissé. L'UBB, ça ne lag pas du tout en tout cas. Ruben, on se demandait, mais non, c'est très fluide, donc c'est nickel le match. Pour ça, parce qu'on sait des fois que... Oh ben là, je crois que j'ai eu un problème au but avec le lag. Et ben voilà. Oh, poteau sortant. Le lag qui nous coûte 2 points, Milody. En tout cas... 5-0, on commence bien avec l'UBB. Alors, c'est où? C'est à l'UBB ou à Clermont? Comme ça, je dirais que ça doit être à Clermont, je pense. Donc, je pense qu'il y a moyen pour l'UBB de peut-être amener 0 points. Et l'UBB, le truc, c'est que s'ils perdent, ils peuvent sortir du top 6. Oh, il est assez dommage, il avait bien joué. Il était sorti au bord du ruck. Il casse le plaquage. Il nous a... Il redonne intérieur. Alors je sais pas si c'est Para ou Ledlow qui l'a mis en demi de mêlée. Oh il veut tenter un drop. Non il tente une chandelle. Est-ce qu'on peut y être là? On a demandé l'arrêt de voler. Voilà tranquillement. Allez on tente la chandelle. Au final on s'attendait peut-être à un jeu au pied classique. On a tenté la chandelle. Malheureusement on n'a pas réussi à récupérer la balle. Mais le bon contre-rug de l'UBB, non, on récupère pas la balle. Et on envoie rien du tout. Ouh, on met du monde. On est sanctionné. On s'est sanctionné. Ils peuvent revenir à 2 points vu qu'on avait raté la transformation. Quel va être le choix de l'ASM Clermont-Auvergne et de Ruben? On va en touche, on va en touche. On est joueurs du côté de Ruben. Ils ont le vent pour eux. Ils auraient pu vraiment taper les 3 points tranquilles. Oh, c'est une petite touche. C'est une petite touche. Il aurait pu trouver mieux que ça. Hein. Mais bon, tant mieux pour nous. À l'entrée de nos 22 mètres. Allez, attention, pression. Et on va essayer de récupérer cette balle. Non. Bonne touche. Attention au bord du ruck. On le plaque et il arrive à aplatir. Au coup dur, au coup dur. Et c'est vrai que c'est difficile à défendre ces touches comme ça, sorties de balle. On voit que le décalage est fait. On va revoir l'essai. Là, le demi de mêlée, il est un peu laissé à l'air libre. Et il n'a plus qu'à courir. On arrive au dernier moment, mais c'est trop tard. Il arrivera à aplatir. Bien joué, choix judicieux. Donc on voit au moins que c'est Greg Ledlow et pas Morgan Parra. Il a réussi, bien joué. Alors attention, il y a le vent qui décale un peu, mais ça devrait être bon, je pense. Ledlow, buteur de classe mondiale. Et là, SM Clermont-Auvergne et Ruben qui passent devant. 7 à 5. Bien joué, bien joué. Allez, on va faire un renvoi court pour essayer de récupérer cette balle. Et non! Pour l'instant, dans les ballons, on est dominé. Mais on n'a pas peur, on essaie d'envoyer. Allez, ouais, on a repiqué à l'intérieur. Il s'attendait, je pense, plus à la passe. Alors, tout à l'heure, on a réussi à marquer en rentrant dans les 22 mètres adverses. On va essayer de faire pareil. Mais pour l'instant, ça défend bien. Ça tient côté Clermontois. Allez, on lance les gros. Les gros de l'UBB.
L'UBB avec du Radrada et surtout bientôt l'an prochain Santiago Cordero, ça va être difficile donc il va. Oh non, oh l'interception. En fait j'avais pas envie de marquer un essai tout pourri en... Donc j'ai décidé de faire ça. Mal nous en a pris, mais on récupère de nouveau la balle. Ça peut aller à l'essai ou pas? Allez, on repique intérieur en tentant un gros raffut. On marque pas. Oh il est pénalisé. Il est pénalisé. Il nous reste combien de temps? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va prendre les 3 points pour prendre un petit point d'avance. Et oui, c'est lui, c'est Ruben et Clermont qui ont été joueurs, nous. Mais en fait, on n'a pas le temps pour plus. On pouvait pas aller en toucheur, on aurait pu choisir la mêlée. On prend 3 points, on repasse devant déjà, de 2 petits points. C'est le côté positif. Mais c'est serré, c'est serré. Allez, Camille Lopez à l'engagement. Renvoi assez court pour mettre la pression, mais ça va, on y est là. J'ai envie de tenter la relance, j'ai envie de tenter la relance, je l'ai senti que la relance pouvait le faire. Est-ce qu'il a les cannes? Ça revient vite. Oh, c'est, ça s'était refermé la porte et c'est bien gratté ensuite. Et là, ça envoie la balle à l'aile, il tente un crochet avec le deuxième ligne, c'est pas fou. Je pense qu'il y a hors-jeu. Je pense qu'il y a hors-jeu, donc pourquoi pas... On n'y arrive pas. Je pense qu'il va revenir. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Alors quel peut être le choix? On peut prendre plus d'une pénalité d'avance. Mais non. On va tenter la touche les gars. On a envie d'aller marquer un essai. Transformer et faire... Où? C'est bon. C'est des limites. Mais la pénale touche est parfaite. Digne d'un certain Henry Slade. Allez. Ou attention de ne pas se faire voler la balle. Non c'est bon. Est-ce qu'on partirait par mol? Oh non, il nous a bien stoppé, il nous a... On n'a pas pu faire de molle, il gratte dessus de la balle. C'est bien fait. Et il trouve les intervalles. Attention, il casse le plaquage en plus. Mais on peut tenter la relance, ça va d'un camp à l'autre. Ah, la mauvaise passe. La mauvaise passe. Et on a raté l'occasion de plier. Alors, plier le match, c'est peut-être un peu exagéré, mais de faire un premier vrai break. Malheureusement, on n'a pas réussi. Oh, on vole le ballon. On vole le ballon. Connor qui repique intérieur. Allez. Et là, il nous faut du soutien. C'est bien. On envoie... On l'attente, la petite passe après contact, mais c'était sacrément risqué. Et on finit par se faire gratter. Et là, faut mettre les cannes. Attention, il va tenter la chandelle. C'est difficile ça. Voilà, il tente un truc. Oh, qu'est-ce que c'est ce passe? Oh, attention, attention. Hein, on a vu tout à l'heure une mêlée, une touche autour de nos 22. Il a réussi à marquer l'essai sur ça. Donc, évidemment, il faut se méfier. Attention, ils envoient cette fois-ci la balle à l'aile. Il nous a eu. Il va tenter la passe, oh là 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 là, si ça se propose un peu mieux à hauteur, il y a sans doute laissé pour prendre l'avantage, mais non, on a de la chance. Et on s'en sort bien. Allez, alignement, fond d'alignement, tranquille. Et non, on relance, on tente la relance. Allez, oh, c'est bien plaqué par l'arrière, Clermontois. Mais regardez derrière, là-bas, il n'y a personne. Et on peut peut-être envoyer du monde. Allez, faut courir vite. Est-ce que ça peut être l'essai de la gagne à Bernard qui arrive vite? Oh là 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 là. Il s'était tendu. Alors, on a tenté à la course parce qu'on avait vu, mais c'était l'arrière qui avait bien plaqué. Hein. Donc forcément, on a mis sous pression. Alors moi, je vois vraiment clairement gagner, hein, personnellement. Normalement, attention, on va tenter la chandelle. Ouais, c'est bien joué. Oh, le grattage de balle. Et est-ce qu'on peut pas plier le match? Allez, allez, arrêtez à 5 mètres de la butte. On va partir avec les gros. Allez, les costauds. Mais non, c'est renvoyé. Allez, on change de sens. On envoie AVI. AVI, arrêtez. Allez, on est pénalisé. On a gardé la balle au sol. Là, 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 là. Quelle défense de faire. Les Clermontois, il a le vent contre eux. Ils ont le vent contre eux. Donc, ils peuvent difficilement trouver une très bonne touche. Donc, Lopez assure une touche pas folle. On va pas se le cacher. Aïe, aïe, aïe.
Allez, deuxième touche perdue importante. Connor qui vient fixer. 71e minute, on n'est pas loin de plier le match pour devant. Allez, oh c'est bien défendu et il va encore. Ah là là là, il va encore avoir. Alors il faut qu'il arrête de perdre les ballons en touche. Évidemment, il choisit un alignement raccourci. Un alignement court, proche, on va voir si ça va mieux lui réussir. Oui, elle est là. Elle est là. Et là, il tente de partir avec l'aide l'eau. Il tente de partir avec l'aide l'eau. Attention. Il s'éloigne peut-être du soutien là. Non, attention, on n'a pas le droit de concéder de pénalité. Sinon, c'est l'UBB qui battrait. L'ASM Clermont-Auvergne qui battrait l'UBB. On peut la gratter. On peut la gratter. Et c'est parti pour la relance. Le Bourris. Petit jeu au pied à suivre. Allez. Oh, c'est bien défendu de la part de Nika Bendanon. L'arrière clermontois. Mais Connor qui vient récupérer la balle. Et est-ce qu'on peut pas plier le match? Non, la mauvaise passe. Ça donne une dernière occasion clermontoise. Est-ce qu'ils peuvent relancer? De la mute. Ce serait fou. Allez. Ouh, bon plaquage de Avi. Et qui gratte la balle. Allez. Serein. Ah, je tente la petite passe après contact, j'y arrive pas. On va essayer de la jouer pour pourquoi pas sortir les Clermontois du bonus défensif. Ah non, ce sera fini avec cet en avant de Chalmers. Victoire de l'UBB. Alors, je crois bien, je peux me tromper, mais je crois bien que le match se déroule à Clermont. Donc à Clermont, clairement, je vois Clermont gagner. Ah ah. L'aide l'eau qui a marqué l'essai est transformé. On verra. Merci en tout cas à Ruben pour le match. C'était cool et franchement il a bien joué. Et j'ai cru qu'il allait pouvoir la faire à la relance de la dernière action. C'était plutôt cool. Donc merci à lui pour le match. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve pour d'autres games et d'autres matchs. C'est un peu moins de vidéos cette semaine vu que je vous rappelle, je suis en vacances du côté de l'Écosse. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye. Ciao tout le monde.